أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Mes chers frères et sœurs, comme chaque vendredi dans le cadre de l'école de Konya, on lit la risala de Hakim al-Tirmizi, Bayan al-Fat bayna al-Sadri wal-Kalbi wal-Fu'adi wal-Lub, à savoir la différence entre la poitrine, le cœur, le tréfonds et la pulpe. On était en train de lire le deuxième chapitre qui s'intéressait particulièrement sur le premier stade, à savoir le stade, la poitrine. L'auteur nous précisait les caractéristiques du premier stade en tant que le lieu de la pénétration des tentations. Et maintenant, il nous a parlé aussi comme le lieu de la manifestation de la lumière de l'islam, parce que dans ce stade, le salik, le voyageur spirituel, doit acquérir la lumière de l'islam en pratiquant la religion. En fait, en faisant des exercices à partir des pratiques religieuses, on va essayer de supprimer l'autorité de l'âme qui ordonne le mal qui se trouve dans la poitrine. Aujourd'hui, il va nous parler de la poitrine en tant que le lieu de la méchanceté et du crime. Et puis, il va nous préciser aussi, en considérant la poitrine, le sadr, comme le lieu de la science, de l'apprentissage. Voilà. Je vais d'abord lire le texte en arabe et puis je vais traduire et interpréter. والصدر أيضا موضع الغل والجناية لأن النفس ذات غل وجناية ولها ولاية في الصدر بالدخول وهو من جهة الابتلاء وقد ذكر فيما تقدم قال الله تعالى في صفة أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل حتى يدخلوا الجنة بلا غل. La poitrine est aussi le lieu de la méchanceté et du crime. Voilà, toutes sortes de méchanceté et de crime proviennent de ce stade. L'âme connaît en effet la méchanceté et le crime et elle exerce une autorité en la poitrine lorsqu'elle y pénètre, c'est-à-dire en tant qu'épreuve. Cela a été évoqué dans ce qui précède. Voilà, ici, comme on avait dit, l'âme qui ordonne le mal a une autorité dans ce stade et l'âme qui ordonne le mal crée toute une série de méchancetés et de crimes pour occuper ce premier stade. Ça, c'est une épreuve dont le salik doit faire face contre l'âme qui ordonne le mal dans ce stade. Comme dit Dieu, le Dieu Très-Haut a dit, pour décrire les gens du jardin, nous avons enlevé ce qu'il y avait en leur poitrine comme méchanceté, de manière à ce qu'ils entrent dans le jardin sans méchanceté.
voyez que les gens du jardin, du paradis, n'ont plus la méchanceté parce qu'ils ont déjà enlevé dans, dans leur poitrine toutes sortes de méchancetés grâce au travail, grâce à la lutte spirituelle, et en faisant des exercices religieux. Voilà. De ce fait, en faisant un travail dans ce stade pour supprimer toutes sortes de méchancetés et de crimes, alors on protège le cœur qui est le lieu de l'évolution spirituelle. Comme l'auteur nous a dit plusieurs fois, le cœur est le lieu de la réalisation de l'évolution spirituelle. Alors, on doit le protéger contre l'autorité, contre les effets de l'âme qui ordonne le mal, qui peut occuper le premier stade du cœur, à savoir le stade de la poitrine. Voilà. وقلب المؤمن محفوظ من الغل لأنه موضع الإيمان إلا أن الله تعالى أمر عباده أن يدعوه ويسألوه أن لا يجعل في قلوبهم غلا قال الله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأحب أن يدعوه ويخافوه ليطهر قلوبهم ولم يضمن لهم حفظ صدورهم من الوسواس ليعرفوا منة الله عليهم ويحفظ قلوبهم ليستغيثوا إليه من وساوس الصدور ليزدادوا عزا وشرفا بالله إذا طهر قلوبهم ومحصها ويزدادوا ذلا في أنفسهم قال الله تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. Voilà, de ce fait, en faisant un travail et un combat contre l'âme qui ordonne le mal, qui peut occuper la poitrine, toute une série de méchancetés et de crimes. Et en ayant un effort, le cœur du croyant est préservé de la méchanceté parce qu'il est le lieu de la foi. Voilà. En ayant la lumière de l'islam dans le premier stade, on passe au deuxième stade qui nous permet d'avoir la lumière de la foi. Cela signifie que, en faisant les exercices religieux, on installe l'adoration envers Dieu, en se soumettant aux ordres de Dieu régulièrement, on se protège contre l'âme qui ordonne le mal. Et puis, la lumière de la foi, petit à petit, s'installe dans le cœur. De ce fait, le cœur du croyant est préservé de la méchanceté parce qu'il est le lieu de la foi. Le Dieu Très-Haut a néanmoins ordonné à ses serviteurs de l'invoquer, faire dua, et de lui demander de ne pas mettre de méchanceté en leur cœur. Là, la méchanceté peut se trouver dans la poitrine. Alors, le serviteur, le voyageur spirituel, le salik, doit faire la demande à Dieu de le protéger contre toute une série de méchancetés. Le Dieu Très-Haut a dit « Ne mets pas en nos cœurs de méchanceté vis-à-vis de ceux qui ont cru. » Voilà. On demande, on fait dua, l'invocation envers Dieu pour qu'il nous protège contre la méchanceté de l'âme qui ordonne le mal. Il a aimé qu'il l'invoque et qu'ils aient peur de Dieu de manière à ce que Dieu purifie leur cœur. Alors Dieu veut purifier le cœur du voyageur, du serviteur. De ce fait, le serviteur, le voyageur spirituel doit faire la demande envers Dieu en ayant son aide contre l'âme qui ordonne le mal.
sans l'aide de Dieu, on ne peut pas faire face contre l'âme qui ordonne le mal, qui peut toujours produire une méchanceté, un crime qui empêche, bien sûr, de l'évolution spirituelle du cœur. Il ne les a cependant pas assurés de préserver leur poitrine des tentations, parce que la poitrine est le lieu de la pénétration des tentations diaboliques, de manière à ce qu'ils sachent la manne que Dieu leur accorde. Le bienfait de Dieu accordé à la garde du serviteur pour protéger le serviteur, le sabre du serviteur, contre les tentations diaboliques. Comme on dit chaque fois, nous sommes entre deux aspects humains, diaboliques et angéliques, et nous sommes toujours dans le combat. Alors il faut avoir l'aide divine pour faire face contre les tentations diaboliques. Parce que l'ennemi éternel de l'homme, à savoir le Satan, le diable, est toujours présent dans notre existence. Et il provoque l'âme qui ordonne le mal, qui se trouve dans la poitrine, pour essayer de manifester ses effets sur le cœur. Dieu préserve leur cœur, les cœurs des croyants et des serviteurs, de manière à ce qu'ils lui demandent son secours contre les tentations des poitrines, afin qu'ils croissent en puissance et en dignité grâce à Dieu, lorsque Dieu purifie leur cœur et les épure, afin aussi qu'ils croissent en humilité en leurs âmes. Et ici, on doit dire aussi que l'âme du serviteur doit avoir l'humilité envers le réel, envers Dieu. En fait, on ne peut pas avancer dans le chemin spirituel en ayant l'orgueil, en étant orgueilleux. Parce que l'orgueil qui a bloqué le Satan, parce que lui, il n'a pas accepté l'ordre divin, à savoir la prosternation devant Adam, à cause de son orgueil. Parce qu'il a fait une comparaison entre la terre et le feu. Il a cru qu'il était mieux que Adam. Il a oublié que c'est Dieu qui lui a ordonné de se prosterner devant Adam. En fait, il a oublié que l'ordre venait du haut. Voilà, c'est pour ça que c'est l'orgueil qui empêche d'avoir l'évolution spirituelle. C'est pour ça que le voyageur spirituel doit être modeste pour pouvoir avancer dans la spiritualité. Le Dieu Très-Haut a dit, Dieu guérira les poitrines d'un peuple de croyants et fera s'en aller la colère de leur cœur. Vous voyez qu'ici, on parle de la guérison venant de Dieu à la garde de croyants et, qui fait disparaître la colère qui se trouve dans la poitrine de l'homme. Voilà, Dieu a donc rendu évident que la guérison est pour les poitrines. En fait, quand on parle de la guérison, Shifa, cela concerne les poitrines. La maladie se trouve dans la poitrine, alors la guérison aussi doit exister dans ce niveau-là. Parce que la maladie spirituelle appartient au premier stade du cœur. Parce que les cœurs, les poitrines sont le lieu de la méchanceté et des crimes, des tentations diaboliques, etc. Toutes sortes de mal se trouvent dans le sadre,
en fait. C'est pour ça que on parle de la guérison de la poitrine. Shifa Usadr. Dieu a dit également, une exhortation vous est venue de votre Seigneur et une guérison pour ce qui est dans les poitrines. Vous voyez que voilà, la guérison appartient à la poitrine à partir de ce verset. Je viens de dire que la maladie spirituelle se trouve dans le niveau de la poitrine, alors on parle également d'une guérison concernant cette maladie. فقلب المؤمن سليم وصدره سليم وقلب الكافر والمنافق ميت وسقيم وصدره فيه ظلم عظيم قال الله تعالى في قلوبهم مرض وقال إن الشرك لظلم عظيم وقال إن في صدورهم إلا كبر. Voilà, le cœur du croyant est saint et sa poitrine est saine aussi. Voyez que la poitrine, le cœur est purifié, épuré de toutes sortes de mal, de méchanceté, de tentations diaboliques, et le cœur acquiert la lumière de la foi. La foi s'installe effectivement dans le cœur. Grâce à cela, la poitrine aussi est purifiée. Voilà. Le cœur du mécréant et de l'hypocrite est mort et infirme. Et en sa poitrine, il y a une grave injustice. Vous voyez que le cœur du croyant est purifié en ayant la lumière divine et sa poitrine aussi. Et grâce à cela, la vie du croyant se réalise grâce à la réalité divine, spirituelle. Par contre, le cœur du mécroyant et de l'hypocrite, qui ne rend pas la lumière ni de l'islam, ni de la foi, et alors, ils n'auront pas non plus la vérité. À cause de l'absence de la vérité, ils vont perdre la lumière spirituelle. Alors, leur comportement, leur attitude et leur comportement ne seront pas justes non plus. Parce que, d'après la conception soufie, les attitudes et les comportements justes se basent sur la vérité, sur la connaissance à propos du vrai, du réel, à savoir Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, si on n'a pas une connaissance divine, on ne connaîtra pas non plus la vérité concernant la vie d'ici-bas. En ayant une lumière venant de la vérité divine, spirituelle, l'homme connaîtra son âme et son esprit, sa réalité, sa substance existentielle, à savoir son essence divine, quelque part, et alors ses attitudes et ses comportements se réaliseront selon cette connaissance ésotérique. Le Dieu Très-Haut a dit, en leur cœur, il y a de la maladie. Vous voyez que la maladie se trouve dans le cœur du mécréant et de l'hypocrite, parce que son cœur a été occupé par l'âme qui ordonne le mal. Et il n'a pas eu ni la lumière de l'islam, de la soumission, se réalisant dans le premier stade du cœur, ni la lumière de la foi se réalisant dans le deuxième stade de l'évolution spirituelle. Voilà.
il n'a ni la lumière de la soumission, ni la lumière de la foi. Finalement, il a tout perdu parce qu'il n'a pas la bonne base pour produire des comportements justes vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Et Dieu a dit aussi, l'associationnisme est assurément une grave injustice. Vous voyez que le mot « zulm », injuste, injustice, et ténèbres aussi. Alors, d'une certaine manière, le cœur du croyant, du non-croyant, et de la personne qui se trouve dans l'associationnisme, shirk, et de l'hypocrite, et ces gens-là se trouvent dans les ténèbres, en fait. Quand on est dans les ténèbres, on ne connaît pas le chemin à cause de l'absence de la lumière. Si on n'a pas une lampe qui illumine notre chemin, on ne verra pas le chemin, en fait. En leur poitrine, il n'y a que l'orgueil. Voilà, vous voyez que l'orgueil, c'est un défaut très basique, en fait. C'est l'orgueil qui empêche de l'homme de voyager dans la spiritualité. Quand on est modeste, on est réceptif, on accepte la vérité et on écoute en ayant l'écoute et la modestie et des comportements pareils, et nous avons la capacité d'avancer dans le chemin spirituel. Voilà, jusque-là, on avait bien vu que aujourd'hui, la poitrine en tant que le lieu de la méchanceté et du crime, il faut la protéger, il faut prendre des mesures pour protéger la poitrine contre la méchanceté et les crimes de l'âme qui ordonne le mal. Et on va avoir l'examen, une épreuve à ce propos, parce que notre ennemi éternel, à savoir le diable, va provoquer notre nefs qui ordonne le mal, nefs el-marabissou, pour qu'il produise la méchanceté et le crime. Alors, il faut faire un combat contre l'âme qui ordonne le mal pour protéger d'abord la poitrine et puis le cœur, parce que en étant croyant, on doit installer la foi dans le cœur. Alors, pour installer la foi dans le cœur, on doit avoir la lumière de la foi. Pour avoir la lumière de la foi, on doit d'abord avoir la lumière de la soumission, en fait. Il faut se soumettre pour pouvoir continuer et avoir la lumière dans le premier stade et dans le deuxième stade aussi. Voilà. Et maintenant, on va voir une dernière caractéristique et on va terminer ce chapitre sur le premier stade. La semaine prochaine, on va commencer à travailler sur le deuxième stade de l'évolution spirituelle, à savoir le cœur lui-même. Voilà, la poitrine est le lieu de la science, de l'apprentissage. وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالتَّعَلُّمِ وَالتَّحَفُّزِ وَالْإِجْتِهَادِ وَالتَّكَلُّفِ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ وَالْخَبَرِ قُرْآنًا كَانَ أَوْ حَدِيثًا أَوْ غَيْرَهُ فإن موضعه الصدر ويجوز عليه حكم النسيان قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Voilà, sache-le, à chaque science, on n'arrive qu'en apprenant et en retenant, en faisant l'effort et en peignant, par l'écoute et l'information. Qu'il s'agisse du Coran, du Hadith ou d'autres choses. Le lieu de la science, c'est
en effet la poitrine sur laquelle il se peut que règne l'oubli. Le Dieu Très-Haut a dit, il s'agit bien plutôt de signes évidents dans les poitrines de ceux à qui la science a été donnée. C'est la science dont la formulation, la lecture, la transmission et l'exposé se préparent et qu'il est possible à celui qui la possède d'oublier. Parfois, et donc, elle l'oublie après l'avoir retenu et après avoir fait beaucoup d'efforts. De ce fait, la poitrine, à ce propos, est comme la surface du cœur. Quelqu'un dit lire par la surface du cœur, malgré cet effort, elle se trompe parfois, est distraite et doute de ce qu'elle a retenu. Alors ici, on voit que notre auteur Hakim el-Tirmizi considère le premier stade du cœur, le sadr, comme le lieu de l'apprentissage de la science exotérique par l'écoute et l'information. Et cette science, c'est la première étape de la connaissance. Ce qu'on dit ilm al-yaqin, on apprend les choses en écoutant avec les membres du corps et l'information, on reçoit l'information, qu'il s'agisse du Coran par exemple ou du Hadith ou d'autres choses, à partir des livres, on apprend, la science s'installe dans la poitrine. Et on peut l'oublier parfois parce qu'on oublie ce qu'on a appris très souvent. Et toutes sortes de formulations, la lecture, la transmission, se font dans ce stade, en fait. Parce que chez les soufis, on distingue deux sciences, deux sortes de sciences. La science exotérique, l'ilm al-zahir, et la science ésotérique, la science batin. La connaissance des soufis se fait par le cœur, qu'on appelle la ma'rifa. Ce n'est pas par l'écoute ou l'information, parce qu'on apprend par l'écoute, par l'information, par la lecture, par la formulation, etc. Ça, c'est la première étape de la science, en fait. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que cette science doit être installée dans le cœur en ayant la ma'rifa de cette science, la connaissance personnelle, en ayant une expérimentation, une expérience personnelle par le contenu de la science qui vient de l'écoute ou de l'information, de la formulation, de la transmission, etc. On reçoit l'information, la science, mais il faut qu'on travaille sur le contenu en pratiquant le contenu de cette science ou en réfléchissant sur le contenu de cette science-là. Et cette science devient ilm al Ain al-Yaqin par après. Et cette science ésotérique s'apprend par le cœur, en fait. On apprend cette science, pas par l'écoute ou par l'information, par le cœur. C'est le cœur qui travaille, qui réfléchit, et les membres du corps pratiquent, et en ayant une pratique extérieur, en réfléchissant, la science devient une connaissance personnelle bien installée dans le cœur, bien expérimentée finalement. Alors, c'est pour ça que notre auteur dit que l'apprentissage exotérique se fait
dans le premier stade du cœur. On apprend, on oublie, on réapprend, etc. Et après, on réfléchit sur ce qu'on a appris ou on pratique et cette science devient une réalité dans le cœur. À ce moment-là, on parle de ma'rifa, de la connaissance, en fait. Et il considère la poitrine est comme la surface du cœur. Alors, on apprend, on enrichit le premier stade du cœur grâce à l'apprentissage exotérique. Parce que les gens qui connaissent, qui possèdent la science zahiri, exotérique, avancent plus que les autres pour la ma'rifa, pour la connaissance ésotérique. Parce que les deux sciences rencontrent le serviteur, le voyageur devient plus fort par rapport aux autres. En fait, les soufis proposent d'avoir les deux niveaux de la science pour ne pas se tromper dans la réalisation du voyage spirituel. Parce que le serviteur doit connaître aussi les principes exotériques, zahiri, de la religion pour mieux pratiquer. Parce que le serviteur, c'est quelqu'un qui pratique sa religion d'une manière parfaite dans sa vie individuelle, sociale, etc. Dans toutes les affaires de la vie, il doit respecter les principes du Seigneur, en fait. On ne peut pas parler de la connaissance acquise concernant le Seigneur si on ne respecte pas ses consignes, ses principes dans toutes les affaires de la vie, en fait. C'est pour ça qu'on doit connaître les principes de base en ayant la connaissance exotérique, zahiri, pour mieux avancer dans la science ésotérique, en fait. Voilà. وهو العلم الذي تتهيئ عبارته وقراءته وروايته وبيانه ويمكن في صاحبه النسيان لأن النفس هي التي تحمله وتحفظه وهي مطبوعة على النسيان فربما ينساه بعد التحفظ وبعد جهد كثير والصدر في هذا المعنى كظهر القلب يقال فلان يقرأ عن ظهر قلبه ومع هذا الجهد ربما فلت وسهى وشك في محفوظه والصدر أيضا من القلب كصدفة من اللؤلؤة ربما دخل في صدفة شيء غير اللؤلؤة مثال الماء وما يشبهه ثم يخرج منها وليس في اللؤلؤة موضع غير تدخل فيها شيء اللهم إلا أن يرفع فحينئذ يصير موضعه خاليا يسع في مكانها شيء آخر. Alors, la poitrine est également par rapport au cœur comme la nacre par rapport à la perle. Parfois, pénètre dans la nacre autre chose que la perle, à l'instar de l'eau et de ceux qui lui ressemblent. Puis cela en sort. En dehors du lieu de la perle, il n'y a pas dans la nacre du lieu en lequel une chose pénétrerait, à moins que la perle soit enlevée. À ce moment, son lieu devient vide et il y a à sa place de l'espace pour autre chose. Voilà, j'aimerais bien faire un petit résumé pour terminer aujourd'hui et pour pouvoir passer au deuxième stade de l'évolution du cœur, la semaine prochaine, Inch'Allah. On avait étudié, vu le premier stade du cœur, à savoir le sadr, qui est le lieu de l'autorité de l'âme qui ordonne le mal. Ça, on doit retenir en premier que l'autorité de l'âme qui ordonne le mal existe, se trouve dans le premier stade du cœur, à savoir le sadr. Alors, on doit faire un combat contre
les désirs de l'âme qui ordonne le mal pour protéger la poitrine. Parce que la poitrine, elle est en danger. C'est la partie externe de l'homme, c'est la partie externe du cœur, qui s'ouvre aux désirs du corps, en fait. Voilà, les désirs de l'âme qui ordonne le mal se basent aussi sur les désirs corporels, finalement. L'âme qui ordonne le mal s'oriente vers la réalisation des désirs corporels. Et si la poitrine, si on ne purifie pas la poitrine contre l'autorité de l'âme qui ordonne le mal, et à ce moment-là, on ne parle plus du voyage spirituel. Alors, en ayant une soumission grâce à la pratique religieuse envers le Seigneur, et en demandant son secours, son aide, le voyageur spirituel va avoir une sorte de lumière dans ce stade, à savoir la lumière de l'islam, la lumière de la pratique religieuse. Vous voyez, quand on fait une pratique sur n'importe quelle chose, on a une capacité, on acquiert une capacité concernant cette affaire. Pareillement, si on fait des exercices spirituels à ce niveau, on va avoir une capacité finalement à ce propos. Par après, on peut avancer dans le chemin spirituel si on a bien passé ce niveau, en fait. Il faut savoir que si on ne fait pas un combat réel contre le diable et l'âme qui ordonne le mal pour protéger notre poitrine, qui est le premier stade de l'évolution du cœur. Et comme je viens de dire, on ne parle plus de l'évolution spirituelle. C'est pour ça que le serviteur, le voyageur spirituel au départ, doit charger son nefs, l'âme qui ordonne le mal, l'âme qui travaille. Il faut l'occuper d'une manière continuelle, sinon c'est elle qui va occuper la poitrine et en ayant la paresse et d'autres problèmes, on va bloquer notre évolution spirituelle. Il faut savoir que on apprend aussi, parce qu'il faut protéger la poitrine et pour aussi apprendre par l'écoute et l'information. Parce que dans la pédagogie actuelle, on parle de la concentration de l'élève pour apprendre, pour mieux écouter et pour mieux lire. Alors, cela signifie que l'apprentissage de la science exotérique qui se fait par l'écoute et l'information, il faut aussi une sorte de concentration au niveau de la poitrine. Alors, sinon, la connaissance ne sera pas, n'existera pas dans notre vie, en fait. Voilà. C'est aussi important ce que dit notre auteur concernant l'apprentissage, la pédagogie pour mieux apprendre, en fait. Il dit que voilà, il faut que qu'on soit concentré pour mieux écouter ce que les autres nous disent ou ce qu'on étudie dans les livres. En fait, on apprend la science grâce à ce niveau, et c'est pour ça qu'il faut protéger, il faut se concentrer pour mieux apprendre les choses. Voilà, les tentations diaboliques se trouvent dans ce stade. Il faut aussi faire un combat contre ces tentations,
contre les méchancetés de l'âme qui ordonne le mal, etc. Voilà, je pense que on a assez travaillé sur ce premier stade qui est l'aspect, je vais dire, de la réalisation, en fait, de l'aspect négatif de l'homme. Maintenant, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va passer au deuxième stade, à savoir le cœur. On va parler quelques semaines sur le deuxième stade, sur le cœur, Inch'Allah. Je dois vous dire que la semaine prochaine, ce n'est pas le vendredi, Inch'Allah, on va faire notre séminaire mardi à 20h, Inch'Allah, pendant le Ramadan. Et après, on va changer peut-être, mais pendant le mois de Ramadan, 4 semaines, on va faire notre séminaire, Inch'Allah, mardi soir à 20h. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Inch'Allah, on sera la semaine prochaine pour pouvoir continuer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.